Salut tout le monde, c'est Révi. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du Rode PS1. Donc c'est un bras pour micro. Il faut savoir que je viens tout juste de rentrer de l'Australie et j'en ai profité pour acheter du nouveau matos afin de permettre une meilleure qualité de stream ainsi que de création de vidéos sur internet d'une meilleure qualité. Voici la caisse. Il faut savoir que moi je l'ai acheté sur le site Thomann avec plus ou moins... non, exactement plutôt 80€ pour les frais de port avec. Il faut savoir qu'il est aussi disponible sur Amazon, malheureusement je ne trouvais pas un vendeur au même prix. Je me suis permis de le prendre sur Thomann. Il faut savoir que quand je l'ai acheté, j'étais à Sydney. J'ai pas forcément cherché des masses pour l'avoir au meilleur prix. L'avantage c'est de l'avoir rapidement, c'était vraiment mon objectif. Parce que à l'heure actuelle j'ai un trépied, mais le trépied, l'inconvénient c'est que ça prend beaucoup de place et que c'est moins mobile qu'un bras comme celui-ci. Voici le Rode PS1. Et on va le sortir totalement de sa boîte. Passons maintenant à la vision de tout ce qui est présent dans la boîte. Donc il y a un support qui vous demandera de percer dans votre table. Donc support que je déconseille à moins d'être certain que vous n'avez jamais pu bouger votre bureau et vous avez aussi une table, un bureau pas trop cher, parce que c'est assez relou de forer, d'abîmer sa table pour rien. L'avantage c'est qu'il est vraiment fixe et que en théorie votre bras tiendra extrêmement bien et risquerait de moins bouger avec le poids du micro. Moi le support que je vais utiliser, donc que beaucoup de personnes emploient, c'est ce dernier. Ce dernier, donc vous avez juste à visser le support sur votre table, le serrer au maximum afin que cela ne bouge pas. Voilà. Prenons cet exemple. Là, je ne vais pas le serrer à fond parce que sinon ça va être ennuyeux, parce qu'après je vais le poser sur ma bonne table. Dans cet exemple, voilà, donc vous avez le support qui est ici, voici le bras. Chier, décoller ça. Voici à quoi ressemble le bras articulé donc de Rode. Ici vous avez le petit embout qui vous permet d'ajouter votre microphone. Enfin, le support, d'ailleurs je ne connais pas le mode technique. Vous voyez le stabilisateur du microphone. C'est ça ici. Puis pour rajouter le micro ici. On va enlever ce papier là. Voilà, ouverture. Et donc voici à quoi ça ressemble. Vous voyez là c'est parce que j'ai pas fixé correctement, mais en fait ça vous permet d'avoir votre micro ici et pouvoir guider correctement correctement le bras afin de ne pas subir non-stop le désagrément donc du microphone qui gêne à certaines zones alors que vous aimerez l'avoir juste en face de votre visage. Voici à quoi ressemble le Rode PS1. Donc maintenant je vais aller le positionner donc sur mon bureau et je vous ferai une petite photo avant après avec le trépied. Donc là je vais vérifier ça soit dans le cadre. Ouais. Donc regardez. Voilà. Donc excusez-moi, au moment où je tourne cette vidéo, il a fallu qu'un camion remplisse du mazout chez mon voisin, donc ça fait un petit bruit de moteur en fond. Donc là, comme je vous expliquais, l'inconvénient du trépied, déjà dehors, c'est qu'il prend beaucoup de place au sol. La mobilité est moindre, parce que voilà, il peut faire que ça, un peu monter-descendre. Et l'inconvénient, c'est que moi, je n'ai pas de place juste derrière mon bureau. Donc, ce qui m'empêche d'avoir une bonne prise de son du micro, qui, mon microphone, lui, prend
les sons en direction, vous voyez, en face et derrière. Je connais pas le mot technique, excusez-moi. Je suis pas très bon en termes techniques de son. Et en fait, la membrane du micro capture essentiellement en face et en face à la sortie qui est juste ici où est ma main. Donc l'inconvénient quand je joue à l'ordi, bah, c'est que mon son en fait part vers l'écran. Il ne part pas vers le microphone, donc ça va me permettre de combler cela ainsi que de gagner de la place. Donc voilà pourquoi j'ai changé de bras. Comme je le disais auparavant, avant de mettre ce bras, donc Rode PS1, avec ce trépied, je ne
pouvais pas parler directement de façon face à mon écran, à mon micro. Et maintenant, il n'y a pas de problème donc avec ce bras. Pas mal de gens sur internet parlaient de grincement, donc du microphone quand on bougeait ça. Et écoutez, moi j'entends aucun grincement, il n'y a pas de problème. Après, on verra avec le temps. Je peux pas vous dire à l'heure actuelle s'il est vraiment excellent le bras. D'un côté pratique, d'un point de vue pratique, il n'y a rien à dire. Pour la disposition sur un bureau de ma façon, enfin, pour ma disposition à moi, il est vraiment utile. Après, est-ce que pour toute personne, toute disposition, est-il vraiment nécessaire? Je ne sais pas, peut-être qu'un trépied pour certaines personnes est suffisant. Mais moi, voilà, je me permets ce confort, ainsi que le confort de streaming qui vous permettra de m'entendre de façon correcte et d'emmagasiner mon son plutôt que des sons parasites qui sont sur le côté du micro. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des avis sur ce bras. Ce bras de microphone, donc le Rode PSA1. Si vous avez des avis positifs ou négatifs, dites-le moi. Ça me permettra de savoir si ça vaut vraiment la peine de conseiller ce bras à tout le monde. Moi, en attendant, j'en suis satisfait. On verra avec le temps s'il y a vraiment un point négatif sur ce bras. Sur la durée, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite bon jeu à tous, ou je ne sais pas, parce que là, on parle pas de jeux vidéo, on parle vraiment d'un bras micro. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée. Allez, bye bye.